Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à la deuxième vidéo de notre challenge Road to 10 millions, notre challenge où on a l'objectif de faire 10 millions de francs CFA durant les 90 prochains jours. Et dans la vidéo précédente, on a segmenté cet objectif en objectif journalier et par conséquence hebdomadaire et mensuel. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement choisir quels sont les produits. On va faire la recherche des produits qu'on va potentiellement commercialiser pour atteindre notre objectif. Parce que dans la vidéo précédente, on a choisi la niche qui était la niche santé et fitness. Donc dans cette vidéo, on va choisir les produits, on va faire la recherche des produits ensemble. Donc je vais partager avec vous deux techniques puissantes que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir rechercher les produits que je vais commercialiser. Bien évidemment, dans la formation, je parle de beaucoup plus de techniques et dans chaque technique, j'entre un peu plus en profondeur. Mais ici, je vais rester un peu superficiel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les résultats avec ceci. Donc, je vais partager mon écran avec vous afin de vous montrer étape par étape comment est-ce que je procède pour pouvoir identifier ces produits à 10 millions de francs CFA. Let's go. Donc, là, je suis sur mon ordinateur et on va utiliser deux méthodes principalement. La première méthode, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on va demander tout simplement à ChatGPT de nous proposer des produits à commercialiser. Et la deuxième méthode est tout simplement qu'on va espionner le marché pour comprendre ce que les autres font, qu'est-ce qu'ils commercialisent, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qui passe. Et on va tout simplement s'en inspirer. Bien évidemment, ici, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Dans la formation, j'entre beaucoup plus en détail. Je vous montre vraiment de façon détaillée comment est-ce que vous pouvez aller plus loin pour avoir des produits qui vont vraiment se démarquer. Mais avec ce tutoriel, vous pouvez déjà avoir des résultats. Donc, je parle à l'intelligence artificielle comme si je parlais à un professionnel de l'e-commerce dans notre écosystème. Donc, je lui demande « Bonjour, nous sommes en janvier et j'aimerais me lancer en e-commerce. » Donc, ça, c'est le contexte. Je donne d'abord à l'intelligence artificielle le contexte dans lequel je suis. Et puis, je lui demande « S'il te plaît, propose-moi 10 produits gagnants dans la niche santé et fitness qui coûtent chacun plus de 25 000 francs CFA. J'aimerais les commercialiser en ligne au Cameroun. » Donc là, je suis vraiment allé dans les détails et puis j'envoie. Là, on va voir ce que l'intelligence artificielle va nous proposer. Et si c'est pertinent, on va tout simplement utiliser les produits qu'il va nous proposer et on va lancer nos campagnes publicitaires avec. Donc, il dit « Bonjour, c'est formidable que vous envisagez vous lancer dans l'e-commerce, dans la niche de la santé et du fitness au Cameroun. Voici 10 idées de produits gagnants. Chacun coûte plus de 25 000 francs que vous pourrez envisager commercialiser en ligne. Équipement de fitness de haut de gamme, oui, plutôt pertinent. Et il donne quelques exemples tels que le tapis de course, les vélos d'exercice, les équipements d'entraînement. Donc là, ce sont des produits qu'on peut facilement commercialiser à plus de 25 000 francs. Mais ce ne sont pas des produits qu'on va forcément vendre 5 pièces par jour facilement. On peut bien se positionner sur ces produits-là, mais ça sera un peu difficile de commercialiser 5 pièces par jour. Par contre, il y a d'autres produits, il y a d'autres équipements sportifs ou encore équipements fitness. On peut se positionner dessus et facilement faire 5 voire 10. Donc, ça aussi, c'est une niche que je vais prendre en considération lorsque je vais faire la veille concurrentielle. Donc, deuxième niche, c'est les suppléments alimentaires, suppléments nutritionnels spécialisés. Donc là, c'est quelque chose que je n'ai même pas une idée, je ne sais pas trop. Les clients vont me poser des questions, je ne vais pas trop savoir quoi les répondre. Donc, ça ne me parle pas trop. Montre intelligente et dispositif de suivi de la santé. Ça aussi, c'est plutôt pertinent. Les montres intelligentes, les montres sportives, c'est pas mal. Vêtements de sport de haute qualité, oui, là c'est très pertinent. Moi personnellement, j'ai dû me procurer un vêtement de sport et je compte me procurer aussi d'autres vêtements d'ici peu. Donc ça aussi c'est une bonne niche. Aliments biologiques et snacks santé, donc là c'est pas très pertinent, je connais même pas trop de quoi il s'agit. Programme d'entraînement en ligne, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Prendre un programme d'entraînement en ligne, c'est aussi bien. Équipement de yoga et de méditation. Bon, au Cameroun, on ne pratique pas trop le yoga. Mais il n'a pas cette information. Hein. ChatGPT ne sait pas, on ne pratique pas trop le yoga. Il y a quelques rares personnes qui pratiquent, mais c'est pas courant. Solution de suivi dans la condition physique. Solution de suivi dans la condition physique. Capture des performances, balance intelligente, équipement de suivi de la composition corporelle. Oui, pourquoi pas.
des appareils qui vont suivre le corps. Ça me fait penser à un produit qu'un de nos partenaires dans l'entreprise de livraison commercialisait. C'est qu'on a une entreprise de livraison, KT Delivery. On travaille avec des e-commerçants, principalement des e-commerçants de la diaspora. Donc on stocke les produits dans nos entrepôts. Ça ne veut pas dire que les e-commerçants du Cameroun ne peuvent pas travailler avec nous. La majorité de nos clients sont d'ailleurs du Cameroun, mais ce sont les moins bons. Donc on stocke les produits en magasin. Puis à chaque fois qu'on a des clients, on a des commandes qui arrivent des partenaires et puis on peut les livrer. Donc, on a commercialisé justement une balance qui permettait de suivre, qui permettait de faire tout un calcul sur l'organisme lorsqu'on montait dessus. Donc, c'est une niche aussi pas mal. Donc, c'était un produit à regarder de près. Livre et guide de finesse spécialisé. Pas. Je pense qu'il me faut préciser, produit physique parce que ouais, il a fait quelques produits, il a fait quelques propositions de produits électroniques. Je vais demander, propose-moi 10 autres produits physiques. Donc, on attend, qu'est-ce qu'il va nous donner? Les amis, avec l'intelligence, tu as le droit de souffrir. Ok, il dit bien sûr, voici 10 autres produits, d'autres idées de produits physiques dans la niche santé et finesse qui coûtent chacun plus de 25 000 francs. Que vous pourriez envisager commercialiser en ligne au Cameroun. Équipement de musculation, oui, pourquoi pas, c'est plutôt une bonne niche. Équipement de massage et de récupération, oui, très bonne niche. Équipement de surveillance de la condition physique, déjà, il avait déjà cité ça en haut. Vêtements de compression, oui, 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 pourquoi pas. C'est vrai que vendre ça à plus de 25 000, ça va être un peu compliqué, mais c'est une bonne niche. Généralement, ces vêtements-là sont vendus dans les 10-15 000 francs. Donc, si on prend un vêtement dessus, on peut le commercialiser à 15 000 par jour, à faire 10 par jour. Oui, c'est plutôt intéressant. Équipement de camping et de randonnée, pas très intéressant dans notre contexte camerounais. Accessoires de cuisine santé, oui, oui, pourquoi pas. Il a proposé par exemple extracteur de jus, blender haute pression, appareil de cuisson à vapeur, oui, c'est très pertinent. Produits de soins personnels et bien-être, oui, les huiles essentielles, les masques de sommeil, oui, c'est pertinent. Équipement de natation, pas très pertinent. Équipement de plein air, pas très pertinent. Accessoires de protection. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que vous avez un peu vu le contexte. Ça, ce sont les différents produits que ChatGPT vous recommande de commercialiser au Cameroun en janvier, vu que nous sommes en début d'année. Donc, moi, je partais beaucoup plus sur les équipements de musculation. Sur les vêtements sportifs, déjà les jogging, produits de soins de personnel et de bien-être. Donc oui, je pense que ces trois niches là sont des niches assez pertinentes. Donc je prends ça en considération. Donc vous, je notez ça quelque part. Bon, moi je prends en considération. Maintenant je vais aller dans la bibliothèque publicitaire et je vais partager la deuxième méthode que j'utilise. Donc je vais tout simplement analyser le marché, analyser ce qui se fait sur le marché et voir comment on peut se positionner tout simplement. Donc puisque le marché est roi, on peut faire des recherches comme ceci, mais si sur le marché on n'en a pas besoin, qu'importe ce que vous faites, on ne va pas acheter. Donc je vais aller analyser le marché et voir ce que les autres proposent. Donc je vais aller dans la bibliothèque publicitaire de chez Facebook. Bien sûr que je choisis le pays Cameroun, je choisis toutes les catégories de publicité. Et ici, puisque je vais attaquer la niche santé et fitness, je peux commencer avec ces deux mots clés. Donc je tape par exemple santé et fitness. Pour tous ceux qui ne savent pas, la bibliothèque publicitaire, c'est tout simplement cet espace, cette bibliothèque comme son nom l'indique, qui regroupe toutes les annonces qui sont effectuées sur la plateforme Facebook, les annonces actives et les annonces passées. Sur cette plateforme-là, vous pouvez consulter ce que les autres annonceurs ont eu à faire sur le marché ou encore ce que les annonceurs sont en train de faire actuellement sur le marché. Donc, c'est une plateforme qui est tout simplement magnifique. Pour celui qui est un peu smart, il peut faire des merveilles avec cette plateforme. Donc, là, j'ai tapé mon mot-clé santé et fitness puisque c'est la niche qu'on veut attaquer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oh, déjà, on a 48 résultats. Déjà, on a 48 publicités qui tournent présentement sur la plateforme avec ces deux mots-clés. Donc, je vais consulter les différentes offres. Et là, le premier produit que je vois, c'est ce blender. Bon,
pense que tout à l'heure, ChatGPT nous a recommandé de commercialiser les blenders ou les extracteurs de jus. Donc là, on comprend qu'il quand même, il comprend un peu le marché. Et on ça et que ChatGPT nous dit ça et on vient ici, on revoit le même produit. Ça ajoute un peu de pertinence dans ce qu'on fait. Donc je prends ça en considération, ce produit qui n'est pas déjà mal. Donc je vais consulter le site du vendeur pour voir ce qu'il a fait sur son site. Donc on a ces bandes ici qui coûtent le prix, très important le prix. Ici on peut constater que ces extracteurs sont commercialisés à 14 900 francs la pièce, ce qui est assez pertinent. Ça veut dire que si on réussit à vendre 10 pièces par jour, au bout de 80 jours, on va atteindre notre objectif. Mais on va chercher mieux, cherchons encore davantage. Parce que vendre 10 pièces par jour de ce type de produit, c'est pas assez évident. Déjà que c'est un produit qui est un peu concurrentiel, et en plus de cela, il y a beaucoup d'alternatives que d'autres personnes ont déjà, ou encore que d'autres annonceurs commencent sur la plateforme. Donc pour atteindre notre objectif, c'est pas un produit très intéressant. Donc on continue à scroller et là je tombe sur cet autre produit qui lui aussi est assez intéressant. D'ailleurs, c'est le produit qui m'a permis de gagner mon premier million, ce produit-ci là. Et lorsque je le vois comme ça, ça crée un peu de nostalgie. Je pense que je vais retester ce produit. Je pense qu'on va utiliser ce produit dans ce challenge. Là, le concurrent le vend à 8000 francs et il fait un combo ceinture plus crème à 10000 francs. Moi, à l'époque, moi, je commercialisais la ceinture à 10000 francs et je vendais la crème, c'est un peu à 5000 francs. Donc, quand je faisais le combo, c'était 15000 francs. Puis, il y avait acheté d'autres produits et à un moment, j'avais fait tout un combo et j'étais allé jusqu'à au-delà de 20000. Donc, je pense que je profite. Les combos sont un bon moyen d'augmenter le panier moyen. C'est un moyen excellent de commercialiser des produits qui ne coûtent pas très cher et avoir un panier moyen relativement élevé à travers des produits complémentaires ou encore des services complémentaires. Donc ça aussi c'est une bonne niche. Je prends en compte ce produit. Je pense que ça sera parmi les premiers produits que je vais tester et on va voir comment est-ce que ça va aller. Donc il a d'autres produits là. Oui, ce pantalon, ça aussi c'est un très bon produit. Je pense que tout à l'heure ChatGPT nous a proposé de commercialiser ce type de vêtements, les vêtements pour les vêtements sportifs. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Je pense qu'on va aussi prendre ça en compte. Le prochain produit, ceinture Hot Shaper, pas mal. Et puis Vibro Action, oui, pas mal. Donc on a aussi cette genouillère qui coûte 4500 francs la paire. Vous comprenez très vite que avec un produit de 5000, ça sera très difficile d'atteindre notre objectif des 10 millions. Donc c'est mort. C'est pas, il faut même pas trop réfléchir à analyser. C'est pas très pertinent. Donc on va continuer. Là sont les publicités. C'est quel appareil? Donc, les amis, là, on voit très vite que ce produit répond à tous les critères dont énoncé tout à l'heure. Et ce le commercialise, ou encore cette publicité, est disponible sur la plateforme depuis le 12 janvier. Et nous sommes le 18 janvier. Donc, ça fait pratiquement plus de 6 jours. Oui, ça fait pratiquement 6 jours que la publicité tourne. Donc, je suppose que le commerçant ou encore le vendeur, je suppose qu'il est rentable. Et c'est un produit qui répond à tous les critères. Donc, on prend aussi ce produit en compte. Et lorsqu'on va aller au marché, on va essayer d'identifier ce produit, si on peut le commercialiser aussi. Donc, je consulte cet autre produit. Bon, bizarrement, c'est le même appareil, mais ce vendeur commercialise à 14 900 francs. Donc, c'est aussi ça le game, hein. C'est aussi ça le game. Mais on comprend très vite que ça, c'est un blague parce qu'il a sur sa publicité, on peut voir
Moulinex 900 watts plus 2, 15 000. La mini Moulinex 3900, 4 13 000. Donc on comprend très vite que c'est quelqu'un qui n'est pas. C'est pas un e-commerçant en fait. Lui, il fait de la vente en gros. Ça, c'est un grossiste. Donc on va l'ignorer. On va l'ignorer et on va continuer à analyser les publicités. Donc ici on voit que toutes ces publicités ça, ne sont plus actives. C'est lancé. Ça veut dire qu'avec le mot-clé santé et fitness, on a à peine 5 à 10 publicités. On a quoi? Ici on a 4, ici on a 4, ici on a 8, ici on a 3. Donc on a 11 publicités qui tournent présentement avec le mot-clé santé et fitness. Donc je vais enlever fitness, je vais laisser santé et mettre livraison. Donc là je découvre d'autres produits. Une fois de plus, notre pré-extracteur de jus. Là on a le Yoni, ce produit qui est assez populaire, mais bon, il m'intéresse pas beaucoup. Donc les amis, je pense que vous avez compris le concept, vous avez compris comment est-ce que je fais la recherche de produits. Ça, c'est principalement les deux méthodes que j'utilise pour trouver mes produits. Dans la formation, j'entre un peu beaucoup plus en détail sur comment est-ce que j'exploite ces deux outils là. Donc, vous pouvez prendre la formation, vous pouvez prendre le coaching ou l'accompagnement et puis je vais vous accompagner. Donc là, je suis en train de découvrir des produits plutôt magnifiques. Donc on va se limiter à là. Donc ça aussi, c'est un bon produit. Quand je vois comment la publicité fait, c'est un bon produit. Et qu'ils le commercialisent à 10 000 francs, bon, c'est pas grave. Ils n'ont pas des stratégies de marketing aussi un peu poussées. Donc on va se limiter là. Voici encore un autre produit. Des prostates, lui le commercialise à combien? Bon, il n'a pas mis de prix ici. Bon, une fois de plus, ce produit. Donc les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les produits que j'ai eu à sélectionner pour ce challenge et on va travailler sur les créatifs ensemble. Et puis dans la vidéo qui va suivre, on va lancer notre campagne test. Donc je vous invite à suivre attentivement les vidéos, à appliquer, et je vous garantis que vous aussi vous allez avoir les résultats. Bien évidemment que ça sera pas facile pour vous d'atteindre les 10 millions de francs CFA. D'ailleurs pareil pour moi, ça ne sera pas facile. Avec une nouvelle boutique, des nouveaux produits, ça ne sera pas facile d'atteindre les 10 millions comme cela, mais j'espère pouvoir atteindre cet objectif. Donc je pense que c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.
Prendre soin de ta peau et de tes cheveux doit être une priorité pour toi en cette nouvelle année 2024 pour être dans ton bien-être et être en santé. Si tu ne prends pas le volant de ta beauté, tu auras rien que tes larmes pour pleurer des imperfections et des maladies de la peau. L'occasion t'est donc donnée à travers Kathy Health King Tour, un concept de la marque Kathy Health King, spécialisée en réparation de la peau, une marque de l'identité africaine 100% organique qui lance une vaste campagne de consultation gratuite de la peau et du cheveu, de l'éducation et de la sensibilisation en soins de la peau et du cheveu. Ceci dans tous ces points de vente pour commencer l'année 2024. Nous commencerons donc à la Clinique des Merveilles située derrière Soka Vert du 5 au 6 février. Notez bien cette date. Nous partirons ensuite au complexe de luxe de Bepanda du 7 au 8 février et ensuite à Emily Saker qui est un centre pédiatrique du 9 au 10 et pour finir au centre même de Kathy Heskey qui est situé à Afrique Labo au Feu Rouge Bessin. Donc viens connaître ton état de peau, ton type de peau et avoir un protocole de soins adapté à ton type de peau pour être sublime et en santé pour cette nouvelle année avec des professionnels en consultation de la peau et du cheveu. Je suis le docteur Catherine Takala, entrepreneur dans le domaine médical, body care consultante. Je vous attends très très nombreux et n'oubliez pas, Kathy Health qui vous réserve des surprises en cette nouvelle année et beaucoup de cadeaux. Une fois de plus, nous disons merci à tous ceux qui ont été avec nous durant l'année 2023. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que l'aventure continue. Je vous aime.